L'économie de la Guinée tarde à décoller, ce malgré les importantes ressources potentielles. Selon cet économiste, ce secteur va de plus en plus mal. Il faut reconnaître que nous avons des difficultés sur le plan économique. Il suffit de jeter un coup d'œil dans le document budgétaire, on se rend compte qu'on a un déficit encore, que le budget est déficitaire, que les activités économiques ne tournent pas. Alhassan Makanera Kake estime qu'il n'y a pas de problème sans solution. Pour lui, la relance du secteur économique est une tâche difficile, mais pas impossible. Il demande au futur gouvernement de changer la méthode de gestion. Pour que la Guinée s'en sorte, la recette est connue. Il faut faire la rupture totale avec l'ancien mode de gouvernement et d'administration. Une rupture totale. Lorsque nous sommes avec une administration non professionnelle, une administration politisée, une administration corrompue, et une structure ou un pays dans lequel on ne peut pas lutter contre la corruption, un pays où les recettes publiques ne sont pas sécurisées, les dépenses publiques ne sont pas sécurisées, mais on ne peut pas s'en sortir. Au regard des autres pays, le budget guinéen n'a jamais changé. Il tourne toujours autour de 2 milliards de dollars américains depuis 1998.